Better Life, Sista Betsabe, Mexican Stepper, Culture Dub Song. Bah vas-y, je t'en prie, présente-toi, donc ton émission, tout ça. Alors attention, on a dit qu'on s'y a, par contre. Ok, on a dit un très raccourci. Culture Dub, c'est 15 ans d'existence, c'était un fanzine papier avec 20 numéros papier depuis les années 2000. Ensuite, c'est une émission de radio depuis 2001 sur Radio Pulsar. C'est un site internet depuis 2005, c'est une émission sur Party Time depuis 2013. Et puis c'est aujourd'hui aussi un live Culture Dub Sound avec Sista Betsabe. C'est la production d'artistes comme Kassan, Daman, Mexican Stepper, Digital Seal, Dub Shapers. C'est aussi attaché de presse pour Zion Train, pour Dub Invaders, pour Vibronix. Enfin voilà, c'est juste une mission, faire connaître le dub au maximum de gens en même temps en leur donnant l'histoire du dub, en leur partageant l'histoire du dub. Parce que, dans cette scène, si tu avais le savé. Eh bien, passion. Déjà, moi, je suis une passionnée de dub. J'ai connu ça fin des années 90. Et puis, c'est aussi une histoire d'amitié. Je dirais passion amitié parce que je connais Alex depuis plus de 15 ans. On se connaît. On habite dans la même ville. Donc voilà, Alex est activiste, moi passionné, activiste aussi. Donc voilà, on s'est branché. Et puis, ils ont commencé à organiser des soirées. Moi, j'étais plutôt dans le public. Je chantais déjà du jazz à côté. Et puis, au fur et à mesure, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des dub plates, des releases, des choses comme ça. Et puis, voilà, j'ai commencé à prendre le micro avec eux sur quelques dates, sur le Free Dub Sound System qu'on avait avant. Et là, depuis un an, on a monté ce petit projet Live Sound. Mm-hmm. Donc, ça fait un an qu'on tourne plutôt pas mal, à droite à gauche. Et voilà, donc du coup, voilà, moi, ça fait une quinzaine d'années que je baigne là-dedans. Et elle a une petite tournée. Oui. Excusez-moi. Je ne sais pas, mais voilà. Si, on a tout ça.